Amen. Mes chers frères et sœurs et bien-aimés, amis internautes, nous, et nous vraiment en pile, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Amen. 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 Et comme toujours, c'est toujours un privilège, bon Dieu fait nous. Lorsque bon Dieu bat nos opportunités, ça, pour nous porte-parole, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde pour un privilège comme ça. Et puisque le bon Dieu te finirait les nous, il te finit de nous venir à lui, il n'est pas abandonné nous. Mais il était toujours dans nos lumières pour nous marcher sur route là. Et que matin, hein, nous jouons l'occasion pour nous méditer ensemble la parole de Dieu. Et comme dans notre série de méditation sur l'appel de Jésus, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, sur votre repos, et parole l'a dit, c'était nous, dans verset 28 là, il fait déclaration ça, c'est le monde qui a parlé avec arrogance, qui dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et chers frères et sœurs, et le Christ fait appel ça, et parallèlement, nous joignons d'excellentes promesses qu'il fait nous dans le psaume 23, verset 2. Il parle nous pour laguer nous, pour lui abandonner nous, mais pour le faire nous reposer dans de verts pâturages. Et moi, j'ai gagné. Pour me parler nous semaine dernière que moi été doué nos messages ça les Jésus finirait les nous il pas abandonner nous mais c'est que message que nous doué parce que c'est moi thème n'a pas fini mais repos Christ relo pour le baoua c'est pas un bagage éphémère son bagage la baou et ceci pendant toute la durée de votre vie on a parlé sur ça et chers frères et sœurs on a continué réfléchir sous appel ça, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. C'est un verset et il fait appel à la mission de Jésus dans Ésaïe chapitre 53 verset 3 à 5. Et nous on fait allusion avec historique que pasteur Poupa a fait dimanche dernier et pasteur Poupa fait historique depuis dans Adam et Ève, depuis dans jardin d'Éden, dans Genèse, côté les fin créer l'homme, et l'homme fin faire désobéissance, et puis là après l'homme l'a demandé côté nous. Et en pile dans nous cacher si tout nous-mêmes haïtiens dans notre vie de peuple, nous avons une histoire de marron. Il y a nous marron. Mais nous fin pécher, nous fin désobéir, nous fin transgresser les lois divines, nous le cacher. Et Jésus pas suspend, fait appel, la prêler l'homme, la demander de côté nous. Et thème ça n'a pas venu pour rien matin. Ah, et moi ça, venez à moi. Et j'aime qu'on dit nous, ton verset qui fait appel avec la mission de Jésus. Et puis, dans Ésaïe, chapitre 53, verset 3 à 5, on a cherché le bourreau pour nous jeter ton coup d'œil là-dedans, verset 3 à 5. Et mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, qui nous donne le repos, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris, chers frères et sœurs. Ouais, c'est pas depuis longtemps. A fait fado, ça a crispé longtemps. Il mettait le sous-don. Mais nous ne comprenons pas ça. Et jusqu'à présent, la brûlé nous. Et jusqu'à présent, toute amertume, tout ça qui gagne dans le cœur, tout fado chaise. Ou bien longtemps dans l'évangile là, ou avec un chaise sous dos, et il pas doué comme ça. Ou t'es supposé, depuis la porte de l'église là, pour te joindre des serviteurs, des servantes, des diacres, qui pour te prendre et dormir chaise à terre. Christ continue à prêler, venez à moi. Et c'est sur nos souffrances, c'est la portée, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux, humilié. Et que devons-nous faire? Mes bien-aimés, pour bénéficier aussi grande grâce, aussi bel repos, quoi faire? Et Jésus bat nos réponses là. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous. Êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et dans verset 29 là, il dit, prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mes frères et sœurs, souhait ou gon pesant fait sous vous matin, Christ voulait décharger de tout bagage à vous. Venez à moi, dit Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Venir à Jésus, venir à Christ, cela prend un effort. Cela prend une décision. Donc, venir à Jésus, c'est recevoir lui, manger, boire avec lui, c'est servir Christ. Venir à Jésus, c'est faire confiance à lui, écouter Christ, accepter Jésus dans toute dimension de son être. C'est ouvrir la porte de votre cœur à lui. Venir à Christ, c'est toucher le pan de sa robe, de son vêtement, accepter le don de la vie éternelle. Venez à moi, vous-même qui chargez et fatigué. Et nous sommes capables de dire à travers verset ça, qui peut venir, c'est celui qui est fatigué et chargé. Donc, pour venir à Christ, chers frères et sœurs, nous devons reconnaître que nous sommes chargés du poids. Nous devons reconnaître que nous sommes chargés du poids de nos péchés. Nous devons reconnaître que nous avons été perdus à cause de nos désobéissances, à cause de nos désobéissances et péchés que nous nature pécheresse ça qui nous héritait depuis nos anciens parents nous yo connaît bagaille trop lourd pour nous, mais Jésus a une solution hein? Jésus a une solution à tout problème yo, même les nota ouais problème yo plus gros que l'univers, mais il dit venez à moi pour mettre vin poter vin décharger au pied de la croix maintenant. Christ nous promet le repos. Et même Jean nous a dit, qui ça pour nous faire? Jésus va nous répondre là. C'est quel repos? Le repos dont parle Jésus, ce n'est pas un repos pour notre corps physique. Et dès que Josué te promet et repos ça avec le peuple Israël là, c'est un travail. Et le repos Christ a parlé nous matin, c'est pas un repos que l'on obtient par nos vacances pour par les loisirs. C'est pas un repos, c'est un repos qui ne s'acquiert que nous pas gagner avec en US, nous pas acheter en euro, en peso, en lire, en yen japonais. Ce n'est pas un repos pour notre esprit
qui peut-être nous évite de surménage. Mais c'est le repos du salut. C'est le repos de l'âme, de la conscience bouleversée. Et puisque la lumière de Jésus nous fait découvrir nos fautes, nos péchés, nos erreurs, nos iniquités, nous avons longtemps Christ après les nous. Et nous rester dans l'iniquité. Et c'est ça, nous te fait référence avec Esaïe 53, verset 3 à 5 ans. C'est bien ça, vous fait Jésus souffrir en pile. Mais malgré tout, il n'est pas cessé de relever nous. Mais en pile dans nous, parfois, nous incrédules. Nous étions dans l'incrédulité. Nous étions dans l'iniquité. Iniquité, à me songer, nous te dis nous qui ça iniquité. Iniquité, c'est un péché racine. Pour moi, les apalos, les anti-monde font indigestion, un bon créole, un bon gonflement, racine. Si nous font rapport, tout le monde a bas nous donnant. Eh bien, iniquité, nous, c'est même Jean-Jésus, pas qu'à pressentir encore. Il n'est pas qu'à tolérer encore. Il n'est pas qu'à ouer nous, qu'à vivre avec. Yo, il dit nous, viens joindre nous. Parce que nous besoin, nous avons un moment pour nous joindre un repos pour dormir nous matin. C'est pour ça. Jésus, relez-nous. Jésus, relez-nous. Parce que par la puissance de son sang, il était payé pour nous à la croix. Matin, nous sommes capables de dire gloire à Dieu. Et nous-mêmes qui déjà goûté repos, ça, bien-aimé, l'implique un devoir pour nous continuer à prêler l'autre qui est venu. Et bien, qui peut qu'on fait expérience là. Bon verset qui dit, vini, ouais. Matin, pas quitter comportement nous, fait, pas quitter égoïsme, fait un autre pas venir jouer repos ça. Et nous avons responsabilité. Et nous avons la mission d'aller par tout le monde pour nous prêcher bonne nouvelle ça. Pour nous faire l'autre chose qu'on est. Pour nous venir joindre Christ. Parce que chaque qui sous yoa, pas de solution nulle part. Par contre, l'autre monde qui est capable d'aider au poteau de Jésus. Et d'ailleurs, nous avons lui qui fait une telle déclaration si pertinente. Venez à moi. Il faut reconnaître, bien aimé, que Christ a totalement accompli l'œuvre de la rédemption sur la croix du calvaire. Et que le salut en lui, c'est lui qui a bénéficié maintenant. Et c'est parce que c'est lui-même qui s'est unique sauveur. Et c'est lui qui a fait déclaration ça. Tout sortant de 56, 50 copes, 5 gouttes, 5 dollars, 5 dindin, pas gagnon. Et semaine ça, nous non, moi, côté soit à l'Haïti là, ou pas le monde a monté en sa foule, ou pas le nan Saint-Anne, ceci, nad marinade. C'est Christ qui s'est unique sauveur. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il dit parole. Acte chapitre 4, verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Maintenant, Christ a tellement détrompé. Christ a tellement nous. Et par contre, l'autre nom, pour nous joindre repos, pour nous sauver, et par le nom de Jésus. Et l'infini, qui dit nous, prenez mon joug, dit Jésus, et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau. Légère. Donc,
À travers de telles déclarations, nous devons accepter de nous soumettre à la volonté de Dieu. Et Paul exhorte-nous dans Romains 12, versets 1 et 2. Paul conseille-nous, Paul exerce-nous. Il exhorte-nous. Il dit, je vous exhorte de frères par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Atteignant l'or vient jouer Christ, ou jouer tout privilège à eux, ou vient transformer, ou vient l'autre monde. Jésus dit nous, venez et recevoir ses instructions via l'enseignement. C'est ça le dit dans Matthieu 11, verset 29 là. Il parle nous des instructions. Et bien Jésus dit nous venir et d'apprécier voir instruction par enseignement. Christ nous le demande. Livre amenez-nous à découvrir que c'est lui-même qui est roi des rois. C'est lui-même qui est seigneur des seigneurs. Et nous reconnaître pouvoir lui, autorité lui, sa souveraineté, sa puissance. Cette déclaration, venez à moi vous tous. Sa divinité. Et par amour, il nous appelle. Il veut nous former à son école. Son but est de transformer notre intelligence charnelle en intelligence spirituelle. C'est pour ça la brûler nos matins. Son but, c'est de transformer nos pensées malsaines en pureté, matière grasse, en matière grise, spirituelle. Et je dis à on en a dit, parce que Christ voulait transformer, pensez-nous. Parce que malsaine, nous y a impureté. Je dis, ah, malgré tout l'évangile qu'a prêché Haïti, malgré tout effort, malgré un pile, on a battu l'estomac pour dire de fort pourcentage chrétiens qui gagnent en Haïti, je dis, ah. Eh bien, ouais. Ces matières grises qui semblaient remplacées par les excréments. Excusez l'expression, si nous aimons ces laitons, si nous aimons français matin, bien-aimé. Nous aimons parler national, tout n'est une pocherie. Nèg qui t'a peut-être plus efficace en gestion des résidus solides, qui ont qu'à prendre des décisions vitales pour la nation, qui tâchaient des ombibles. Qui joignent des nègres qui cachaient des bibles, qui ont dit nous obéir aux autorités établies, même les bagailles abominables. Et nous n'avons pas qu'à tolérer, nous n'avons pas qu'à digérer les bagailles. Il faut respecter le monde, il y a, quel que soit les gens où Haïti, il y a un faible reste. Le monde, que lorsque la nation ébranlait, la nation ébranlait le juste, que ferait-il? Nous pas qu'arrêter les bras croisés. Christ, relez-nous pour nous instruire, pour nous informer. Christ, relez-nous comme ben quelqu'un. Côté nous finir étudier. La révélation de la parole éclaire et donne de l'intelligence. Côté nous finir étudier la parole, ça. Nous ne prenons pas pour six âmes. On tourne dans le sujet principal, nous. Parce que nous cherchons repos. Au nom, nous. Même le matin,
Christ besoin nettoyer façon de penser nous, façon que nous réfléchissons. Et c'est en recevant ces instructions que nous pouvons être doux et humbles de cœur. Ce sont ces enseignements qui nous rendent tempérants. Et comment peut-on exprimer ce repos, bien-aimé? Qui ça qu'a fait pour nous gagner confiance ça? Qui ça pour nous faire, pour nous gagner confiance ça, pour nous placer en Christ? Ce repos, c'est notre libération de l'esclavage du péché. C'est notre affranchissement de la loi du péché et de la mort. Ce repos, c'est notre appartenance à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et avec lui-même, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en lui. Et maintenant, on est capable de dire merci. Parce qu'il n'est qui pour mettre nos repos. Les campés, ils font leur déclaration. Pertinente encore. Comprendre. Il dit, yo soy el camino, la verdad y la vida. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Christ nous a affranchis. Nous sommes réellement libres. Amen. Au nom de la liberté, maintenant, nous capables de dire merci Jésus, nous capables de lever main de thank you Jesus. Parce que Christ rend nous libres maintenant, ou libérer des péchés, ou libérer de toute souillure. Amen. Maintenant, la vraie loi, pour le bon repos. Bien-aimé, Christ a pris nos fardeaux. Mais comment le reconnaître? Christ prend fardeau nous. Jésus dit nous. Son joug est doux. Son fardeau léger. Patrick Amta dit nous. Depuis nous vivons Christ. Qui ça Christ bat nous comme fardeau? Ou monde qui honnête matin, qui ou te gagne longtemps dans l'évangile là, qui ou fait convertir, depuis nous vivons Christ. Qui ça Christ bat nous comme fardeau? En quoi consiste ce fardeau? Et la mission qu'il nous confie ce matin, c'est son question de si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, qu'il oublie cette vie, son travail qui n'a pas provoqué ni incompatibilité de caractère, ni peut-être tergiversation ni colère. Sel fado li baou li dou seulement suivre li. Accepter sa parole, le servir. Et ça quoi doit? Servir Christ, c'est pour un bagage qui est pénible, mes chers frères et sœurs. Au contraire, servir Christ, c'est un privilège, son cadeau, son faveur immérité. Servir Jésus. Par contre, si c'est ça que Fadoa, votre Fadoa, venez à moi vous tous. Au contraire, c'est sortir les lots pour venir décharger. Pour des bagailles qui louent là, qui pénibles. Vous obligez pour des croisades pour après les vini, vini, vini. Mais bonjour, qu'a vini porte la grâce là pour le faire. Et dans ce repos, il ne nous dit pas qu'il n'y aura pas de preuves, qu'il n'y aura pas de problèmes. Nous ne sommes pas exempts des tribulations. Il nous donne la garantie formelle que nous ne serons pas seuls dans nos combats spirituels. Nous ne serons pas seuls dans les attaques. Dans les persécutions. Il nous promet de les prendre à notre place. La certitude
nos péchés sont pardonnés. Le repos en Christ, c'est le repos de l'âme, c'est le repos de la liberté, de la protection. C'est tout le bagage ça où nous n'a bénéficié lorsque l'idou venait à moi. Et repos ça, n'est pas comparable nulle part. Ou même qu'à coûter maintenant. Jésus veut prendre vos péchés avec thème ça. Et si vous avez, depuis l'heure qu'on vient, vous gagnez Christ, vous avez, vous gagnez des amertumes, vous gagnez des charges qui louent pour vous matin, nous demandons pour prendre une décision. Parce que Christ, nous venons avec lui. Et suivant la Bible, nèg qui dit ça, il n'a jamais perdu la bataille. Maintenant, vous avez une dernière chance. C'est une dernière occasion. Pour le pardon de vos péchés, maintenant. Ou pas contre qui joue. Ou pas contre qui le. Ou pas contre qui le. Vous faites la parole sonner, chers frères et sœurs. Car l'idée l'a venu comme un voleur. Ou pas contre qui le. Ou vide la terre. Le matin, saisis l'occasion. Venez à lui. Il vous offre un repos pour votre âme. Confessez vos péchés. Approchez de vous. Approchez-vous de Jésus. Faites confiance. Ce n'est pas un problème seulement. Mais Christ, mon auteur qui écrit, qui dit, dis tout à Jésus. Et à, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Tu ne peux porter seul tes ados. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oui. Pas capoter, fardeau. Et l'aile d'où venez à moi, vous tous, fatigués et chargés. Li kon sa la parler, li kon de qui sa la parler. Et ouais, pour paquet monde qui fin bambocher, qui fin faire tout crime, mais au soir de leur vie, ils sont obligés, cherchons l'église, ils rentrent, achetons Bible, mettez en babraille. Parce que fado ça, il n'y a pas qu'à poter, il n'y a pas qu'à dormir. Jésus connaît qui ça va parler. Fais confiance. Il n'y a pas qu'à poter fado. Dis tout à Jésus. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Frères et sœurs, Christ relez-nous. Pour nous donner repos pour nous. Dis relez-nous. La promesse ça, dans Somme 23, verset 2, pour lui faire nous reposer. Reposer. Pas n'importe côté, mais dans de verts pâturages. La zone paisible, les meilleurs endroits, zone de sécurité, un repos sûr. Que personne ne peut vous donner. Parfois, nous, n'est pas acheté gros blindé pour bailler tête aux sécurité, etc. Ils cherchent un refuge. Ils sont toujours en sécurité. Tout blindage, ouais,
quel que soit qualité degré yo, yo toujours bon calibre qui pèse yo. Mais c'est seulement là en bas zèle Jésus, l'aile Jésus relo ou vin joigni, li met au en bas zèle li ou pas pèse ou pas gen aucun maladie, aucun fléau qui a tombé quel que soit quantité de milliers qui a tombé ou pas patin. Matin c'est privilège ça. N'a pris l'eau ou jouer matin. Et j'y voulais offrir. Repos pour nous. C'est ça que fait. Mm-hmm. Vous voyez, t'aimes ça pour nous. C'est son repos, j'ai nos dos là. Ou pas qu'à acheter. Ou pas qu'à trouver dans aucun magasin de la place. Puisque l'eau pour le bon repos. Le vrai repos. Et vous aurez la conscience calme avec Jésus. Maintenant, que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous fasse sa grâce. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Amen.